L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 dans matin et puis 7h dans soir. Avec pied poudré, on fait route là. Bonjour à vous toutes et à vous tous, amis téléspectateurs et internautes. Je vous souhaite une bonne rentrée sur cette antenne pour vous présenter cette nouvelle édition du journal Pied Poudré. Nos respectueuses salutations à l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Maxoura Mésidor, au vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le révérend Père Francky Désir. Salutations aux deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Sander Louis-Jean et Monseigneur Louis-Smic Jean-Charles. Ainsi, nous tenons à saluer le révérend Père Frendi Petit-Homme, Petit-Marie, curé de la paroisse universitaire, et le révérend Père Delva Joseph, vicaire de la dite paroisse. Nos salutations vont également à toutes les religieuses et tous les religieux, aux laïcs et aux bienfaiteurs qui ont permis, d'une façon ou d'une autre, la mise en œuvre de ce journal Pied Poudré. En voici les titres qui seront développés à cette édition du journal Pied Poudré. Sur le plan local, messe du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B dans la paroisse Sacré-Cœur de Turjo. Messe du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B dans la paroisse Sainte-Thérèse de Pétionville. Messe du 30e dimanche du temps ordinaire de la paroisse Saint-Louis, roi de France. Messe du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Messe de requiem en mémoire de Monseigneur Alix Verrier. 15e anniversaire de la Sainte Famille de la paroisse Saint-Gérard Magella de Carrefourfeuille. Sur le plan international, Angélus du pape François, s'ouvrir à une relation d'espérance avec le Christ, la lumière du monde. Le pape invite l'Église à ne pas rester assise pour annoncer l'Évangile. Au cours de la messe de clôture du synode présidé dans la basilique de Saint-Pierre, le pape François a exhorté les fidèles à prendre l'exemple sur l'aveugle Bartimée, dont la conversion est relatée dans l'évangile dominical. Un homme guéri de sa cécité par Jésus et qui se met en chemin derrière lui. Une image d'une église synodale pour le monde d'aujourd'hui. Cycle de catéchèse. L'Esprit et l'Épouse. L'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu vers Jésus, notre espérance. L'Esprit don de Dieu, l'Esprit Saint et le sacrement du mariage. Restez des nôtres, nous vous reviendrons tout de suite pour le développement de ces titres. De retour après la pause, comme annoncé sur le plan local, à l'occasion du 65e anniversaire du curiat de la Légion de Marie, la messe du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B dans la paroisse Sacré-Cœur de Turjo a été présidée par le révérend Père Arsène Jasmin, curé de la dite paroisse et animée par la chorale Cœur Séraphique. Suivons ensemble un extrait de cette célébration eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 10. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouraient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle
et on lui dit, confiance, lève-toi. Il t'appelle, l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabboni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Paul, très chère religieuse et religieux, chers amis de la Légion, membres de la chorale, frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui dans la joie le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B et soudain, nous marquons une étape importante dans la vie de notre communauté paroissiale avec la curia de la Légion de Marie, Mère de l'Église, qui célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire d'existence. Cette double occasion nous invite à réfléchir profondément à l'amour, à la foi, que le Christ nous confie à travers son évangile et l'exemple de la Vierge Marie. Le dimanche 27 octobre 2024, 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, dans la paroisse Sainte-Thérèse de Pétionville, le révérend Père Kenol Laventure a célébré sa dernière messe en tant que vicaire de la dite paroisse. Et cette messe a été animée par la chorale Cœur d'homme de Jean-Paul II. Suivons ensemble un extrait de cette messe. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici rassemblés en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B pour célébrer le Seigneur qui a guéri un aveugle sur la route de Jéricho pour manifester la miséricorde, la tendresse de Dieu pour l'homme dans sa situation difficile, sa situation limite. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B met à la dernière étape de la marche de Jésus vers Jérusalem. C'est la première fois que l'évangéliste Marc montre Jésus en marche vers Jérusalem avec d'autres personnes que ses disciples. Il arrive à Jéricho. Du point de vue biblique, Jéricho est le symbole de l'entrée en terre promise à Jérusalem, juste après avoir franchi le Jourdain. C'est là que Jésus va faire son dernier signe, vaincre la nuit où était enfermé un pauvre aveugle. La scène est située avec précision. Marc y a mis une grande vivacité de traits qui ne doit pas dissimuler la profondeur de sa pensée. La messe du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B dans la paroisse Saint-Louis-Roi-de-France a été présidée par le révérend père Joachim Kiblan. Suivons ensemble un extrait de cette célébration eucharistique. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bien avant de commencer l'homélie, je veux prendre le temps de saluer le révérend père Ekenley Jean-Noël qui concélèbre cette Eucharistie avec moi. Il travaillait ici comme vicaire et aujourd'hui il est là avec nous pour vous faire ses adieux puisqu'il part en mission en terre étrangère. Il va en France dès demain, je pense. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir le révérend père. Comme je disais à l'introduction de la messe, nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La liturgie de ce dimanche, à travers les textes écoutés, mais surtout à travers le texte de Saint Marc qui relate cette rencontre extraordinaire entre Jésus et l'aveugle Bartimée sur la route de Jéricho, nous invite à réfléchir sur le mystère de la foi, puisque c'est la foi qui a provoqué cette rencontre entre Jésus et Bartimée. Et c'est encore grâce à la foi que résulte les merveilles de cette dernière. Sœurs et frères, il est important de réfléchir sur le concept même de foi, car souvent nous disons que nous avons la foi, mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous disons et de ce que cela implique. La foi est la première des vertus théologales. Combien y en a-t-il? Les vertus théologales, combien y en a? Vous pouvez les citer? La foi, l'espérance et la charité. Donc, la foi est la première des vertus théologales. Quand nous parlons de la foi, le premier élément auquel nous faisons allusion est le verbe « croire ». Ainsi donc, sœurs et frères, la foi est la soumission la plus complète de notre intelligence et de notre volonté à Dieu. Rabouni, que je retrouve la vue, tel était le thème du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Cette célébration eucharistique dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception a été présidée par le révérend père Frendi Petitom, Petitement Marie,
et animé par Chelsea Beverly Benoit et Jean-Gingé Diom, sous la direction du maestro Stevenson Sonnel Petitmot. Suivons ensemble un extrait de cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime, bonjour. Bonjour mon Père. Nous saluons tout le monde à travers le monde qui branchait radio, télé, Petite Marie. Dans le moment la messe là, nous profitons de saluer et nous célébrer la messe là en communion avec tout le monde qui dans la ville Port-au-Prince, particulièrement dans la zone Solino, dans la zone Nazon. Malheureusement, c'est presque chaque 3 mois, chaque 6 mois, c'est même refrain. Hein? La prière bon Dieu parce que yon nouvelle zone moun yo obligé quitter tout bagay courir ak sa chaîne nan men yo sans ou pa konnen kote ou pralé nou bouquet et même devant grand maître là n'a prodil que nou bouquet ou dit même bagay yo nou bouquet fait même demande yo yon laisse des pou moun martissant yon l'autre laisse des pou moun ki rete pernier torsel après nou vinn tomber nan Fontamara. Et puis nous vinn tomber carrefour feuille. Yon laissé des pour monde qui en bas la ville côté nous-mêmes nous teyea. Je dis à Sepiro, monde qui Solino, monde qui Nazon. Demain, après quelques mois, nous pas connait qui l'autre zone nous pral gagner pour nous la prier en sympathie avec moun yo. Pratiquement nous bouquet redit même parole yo. Parole bon Dieu a li gen yon richesse qui extraordinaire. Et épisode guérison aveugle Bartimée, c'est j'aimon yo di a yon vrai régal en matière de spiritualité et de théologie. On nou ale directement nan fè a pour nous capables essayer puiser dans parole sa yo tout ça que nous avons besoin pour non seulement yon stabilité spirituelle que nous toujours à chercher mais pour yon confiance encore plus aveugle dans bon Dieu qui guérit Bartimée le mendiant et l'aveugle. Bartimée fait tout aveugle. Yo di papa Bartimée Timé tout moun te toujours a gade li mal parce que dans les temps anciens lorsque yon moun fait yon petit avec yon handicap moun te toujours pensé que c'est malédiction qui tombe sou moun nan sou famille an qui fait petit li fait avec yon handicap yon maladie. Bon nan temps moderne nan yo vin comprendre que yon moun capable gagner quel que soit handicap depuis n'avant maman li capable fait avec mais autrefois c'était différent. Donc Bartimée petit Timé yon maléré l'elle fin fait tout moun wè nan Bartimée yon élément maudit et la vie Bartimée passait pratiquement mal. Imaginez ou l'homme moun fait aveugle avec sa orile yon cécité. Moun nan c'est comme si li fait toute ville li pa jam rive contempler la beauté de la nature. Li pa jam moyen. Li capable wè forme. Li capable man yon moun li wè li manye moun nan lò moun nan pi ou pasil, li wè moun nan pi biti pasil, men sa rele beauté al pa konnen parce que li pa wè. Li ka tande ou di yon bagay ki bèl yo rele fleur men li pa jam konnen vre ak zye li pa jam wè ki form ke li genyen. L'ap tande pale de rose de tout bagay men moun nan
C'est tant d'elle tant de parler de lui. C'est comme si mon na vive dans yon ténèbre totale. Depuis les saute dans vente maman et pendant que li a vive. Et ça que fait yon moun ki aveugle nan tan longtemps. Li pa ka fè anyen, même par exemple une nouvelle tendance qui vient développer avec et l'écriture de braille. Bah ça c'est dans temps moderne que vini comme si mon nan ka manyen yon livre et puis pendant la manyen avec signe li connaît qui ça qui écrit là dedans pas de bagaille comme ça qu'on y a même médicament yo pour que médicament yo gagne un langage qui li a cité ya même si mon nan li ta aveugle li pour compte li gon médicament s'il manye médicament yo mette caractère de braille sous li pour connait qui médicament lié même s'il pas wel. Mais pas de bagaille comme ça longtemps. Yon moun ki aveugle, c'est jeté. Yon jeté autant que yon maudit. Bartimée était obligé pour lui manger, c'est mandé pour le mandé. Pour compte li. Les chita en côté. Les moun ou el chita avec un queen en main, ça vle ka lage yon ti pièce la donne. Et là ou lage ti pièce la donne, faut le manye pour que li vin yon habitude pour konnen ki sa l manye. Donc ça veut dire l'on prend un aveugle. Un monde qui est aveugle de naissance, qui pas ouais du tout, ou mettons kob dans un kouibali, li ki trop difficile pour konnen ki sort bali a. Et ça que fait ouais pour en Haïti, monde qui est aveugle yo konn gen ti moun kap marche ensemble avec yo. Ti moun yo censé prend tout kob yo ba avec yo. Ou ka ba avec la 500 goud. Si moun nan prend 500 goud la, il met 10 goud. Il dit tonton, mais vous faites bon 10 goud la, oui, soit favel. Mais comme vous êtes avec la pas jamais connait qui ça li parce que li pas ouais. Li pas ouais. C'est dans condition ça Bartimée t'a vive avec en pile humiliation. Pour compte li. Tout monde t'a méprisé. L'idée que nous vivre nos situations pour l'envie tout tête li. Parce que dans la vie, l'on souffre trop, l'on sentit ou humilié, ou méprisé en pile, ou qu'avin perdu confiance dans tête. Et l'on perdu confiance dans tête, ou vin faible, ou vin découragé, et ou vin gagné des fois, yon instinct suicidaire. Mais, Bartimée, malgré ses cités, il était fort. Il était toujours à vivre. Nan yon espérance que yon jou ou pas jam konnen sa capable de changer. Pendant que Bartimée a mandé, li tan don bri, li wè moun ap, li tan de bri pie moun kap kouri nan tout direction, et puis li tan de, y ap di, mais Jésus pral arrive. Bartimée di bon, depi m fèt m ap pase mizè. Mbat jam gen yon chance nan la vie, jodi a semble se jou chance mwen an krive. Se kon sa li nan la vie a fwa maksem yo. Quel que soit jan la vie a, ran comme si tan semble yon tene pou, si ou toujou kenbe confiance nan bon Dieu, ap bonjou kan mèm, jou souwet li ou Bartimée a, li pa kap arrive pou. Sa veut dire fwa maksem yo, wè joun wè peyi d'Haïti non ténèbre. Même gens où le peuple haïtien non ténèbre depuis environ plus que 5 ans n'a souffri, n'a couru à droite, n'a couru à gauche, ou pas besoin d'inquiéter ou non. De pour ouais, nous pas décourager. N'a sorti dans sa noyé quand même quitte moun aider nous, quitte moun pas aider depuis nous gain confiance dans bon Dieu. Bartimée joine chance li. Bartimée prend chance li. Bartimée commencer relé bien fort. Imaginez-vous. C'est pas Bartimée seulement qui l'a. C'est pas Bartimée seulement qui besoin Jésus. C'est tout le monde qui besoin Jésus, c'est tout le monde qui a relé Jésus. Une messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, a été célébrée dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception le dimanche 27 octobre 2024 à 8h AM. Celle-ci a été présidée par le révérend père Delva Joseph. Suivons ensemble un extrait de cette messe. Vierge Marie, Notre-Dame,
mes enfants ont les yeux levés vers toi, attendant une main secourable, et tous les cœurs pleins de reconnaissance viennent vers toi avec des chants de joie. Saluons, Mère très sainte, tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amis internautes, nous vraiment avec ce mio dans souci pour nous grandir dans la foi, c'est but principal dans tout et nous chaque qui rassemblé dans l'espace là, et c'est là également qui branché radio télé petite maman Marie. Réflexionnons dans jour spécial ça qui c'est 27 octobre, côté nous toujours mettez jour ça à pas. Et liturgie a toujours baille occasion pour nous capables célébrer des messes votives qui mandé yon exigence selon nécessité ça li même li mandé pour nous implorer miséricorde grand maître là, pour nous implorer miséricorde maman Notre-Dame du perpétuel secours qui c'est patronne pays noir Haïti qui Centraïli a déchiré à chaque fois l'Iwe pays descend dans niveau ça. Nous fait appel au secours avec maman, c'est parce que nous connaissons maman, les papes capables de résister. Les petites li a crié dans pile, les petites li a lamenté dans pile, et yon moun qui gagne un instinct maternel, et à chaque fois que gagne un petit, les petites là fait un rel. Moun ki nourrisse konnen sa bien, même si moun nan te kon dormi mal, même si petit la en bas vant li, li pap jan mouri sou li, et quel que soit nan profond sommeil que maman li même liye, depuis bébé a fait yon cri, maman ap gantan fait preuve vigilance. Frèm avec ce mio, c'est nan même souci sa nou rassemble a soya pour nous faire toute la prière lamentation nou yo. Monte yon kote, bon kote maman, pour le temps de rel, le temps de kri nou, et petit liya, qui c'est Jésus-Christ, et qui toujours d'actualité, et kap toujours fait miracle. Réflexionnons à soi à la centré sur Jéricho, la centré sur Bartimé, Foula, ensuite Jésus. Jéricho, Bartimé, Foula et Jésus. Si la yo qui avance dans le domaine la connaissance, yo explique clairement que sur le plan géographique,
Jéricho, c'est une ville qui est plus bas dans tout recensement qu'il fait dans le monde là. Monseigneur Jean-Alix Verrier, évêque émérite catholique romain des Cayes Sud, est mort le vendredi 11 octobre 2024 à Port-au-Prince à l'âge de 93 ans. Malade, il était soigné à l'hôpital du Canapé Vert Port-au-Prince où il est décédé tôt dans la matinée de ce 11 octobre 2024. Monseigneur Jean-Alix Verrier est originaire de la localité La Tibolière à Jérémie, dans la Grandance, une partie du sud-ouest d'Haïti, où il est né le 9 mars 1931. Il est ordonné prêtre le 13 juillet 1958. Le 21 décembre 1985, le pape Jean-Paul II le nomme évêque coadjuteur des Cayes aux côtés de Monseigneur Jean-Jacques Agénor. Il est consacré le 9 mars suivant par Monseigneur Paolo Robeo à l'ordonnance apostolique en Haïti. Il succède Monseigneur Agénor le 9 avril 1988. Il se retire le 9 mars 2009, le même jour de ses 78 ans. Voici quelques dates importantes de la vie apostolique de Monseigneur Jean-Alix Verrier. Ordination sacerdotale le 13 juillet 1958, évêque de l'Église catholique, consécration épiscopale 9 mars 1986 par Monseigneur Paolo Romeo, dernier titre ou fonction évêque émérite des Cayes en Haïti. Évêque des Cayes, 9 avril 1988, 9 mars 2009. Évêque coadjuteur des Cayes, 9 mars 1986, 9 avril 1988. Il était évêque émérite à la retraite des Cayes depuis mars 2009. Suivons ensemble un extrait de la célébration de la vie du feu Monseigneur Alix Verrier en date du 25 octobre 2024. Thank you.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Monseigneur Max le roi Mésidor, archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Wismic Jean-Charles, Monseigneur Sander Louis-Jean, évêque auxiliaire Port-au-Prince, tout frème Péyo, tout frème Aksem dans la vie consacrée, tout sem ak frème dans le baptême. Parole nous s'entendit dans l'être Paul écrit l'église romaine. Parole nous s'entendit dans l'évangile fait nous connaître. C'est pour grand maître la nouillé depuis jour baptême nous. Nous mourir et nous lever à Jésus qui levait bien vivant. Toute la vie marquée avec qualité événement ça. Qualité cadeau ça et toute la vie c'est bon Dieu qui a invité nous rendre souffle nous mourir tant que Jésus pour nous dire papa nous remettre la vie dans main c'est ainsi ça vraiment Alix Verrier été fait dans le dernier moment la ville. Bon Dieu, moi remettre la vie dans mes mains. Et certainement, pour nous capables de dire ça, il faut la vie marcher sous trace de Jésus. Il faut la vie nous connaître. Mission Jésus, c'est mission ça, n'a pas continué. Et c'est peut-être ça, n'a pas célébré l'Eucharistie pour nous-mêmes. Chaque fois, nous faisons ça, Jésus t'a fait, c'est mourir, nous mourir pour pécher nous disparaître et c'est lever, nous lever, bien vivant, pour ne partager que content, que poser dimanche Pâques là avec frère Axel. Kounia, Monseigneur Mio, frère dans la vie consacrée, frère Maxime Mio dans la vie baptême, m'invitez-nous, gardez la vie, Monseigneur Alix Verrier, dans la lumière bon Dieu. 5 novembre, Cap Vignan, 5 novembre 2024, là, pour le faire 79 l'année. Depuis bon Dieu, Terele Alix Verrier, ensemble avec moi, pour un même projet. Nous, chaque, te gen 14 l'année, à quelques mois de différence. À vrai dire, jour ça, c'était 15 jeunes haïtiens, nous t'ayons. Même si je dis, c'est de Alix, surtout, n'a pas parlé, lui-même qui revient dans votre mission sous terre. C'est sous habitation Bouette, dans la commune Campérien. Bon Dieu, t'es fait nous rencontrer. Et depuis le ça, n'a pas partagé l'idée. Depuis le ça, nous avons porté un rêve ensemble dans le travail pour règne bon Dieu établi dans le pays d'Haïti. Oui, c'est Monseigneur Louis Collignon, Oblat Marie Immaculée, évêque au Caille, qui t'a demandé, Père Oblat, Américain et Canadien, qui était en Haïti, l'ouvrir Juniora Séminaire, Saint-Jean l'Évangéliste,
pour encourager plus de jeunes haïtiens à prendre une bonne formation pour qu'ils servir bon Dieu, soit comme père oblat, soit comme père séculier. Depuis le ça, il y aurait côté ça, Maznod. Non, Monseigneur, qui t'es fondé congrégation au Blanc Marie Immaculée. Moi, je dis, c'était un projet, bon Dieu, parce que le ça, c'est un petit poignet de père haïtien qui t'a gagné. Il y a 60 pères comme ça, dans tout le pays. Même si depuis 1860, l'Église catholique a signé un accord, il y aurait les concordats avec l'État haïtien pour l'Église qui est capable de marcher bien en Haïti. Eh bien, le monde a demandé à Père Breton, qui était responsable de l'école apostolique Port-au-Prince, comment ça t'a marché? Il n'y a pas trop de répondre. Tout marche bien. Vous aurez des prêtres au compte-goutte. La célébration eucharistique du 95e anniversaire de la Sainte Famille dans la paroisse Saint-Gérard-Magellan de Carrefour-Feuille a été présidée par le révérend père Gilbert Peltrault. Suivons ensemble un extrait de cette célébration. Frères et sœurs, nous rassemblés grâce à Faveur et Grand Maître-là, les mêmes qui remet nous, nous rassembler pour nous faire louange, accompliment pour nos saints, pour m'éveiller, les réaliser dans la vie de chaque, mais spécialement dans la vie de la Sainte Famille, comme mouvement laïque dans l'Église du Cria, dans l'Église dans le pays d'Haïti. Chaque dimanche, nous avons l'habitude de rassembler pour nous faire louange, pour bon Dieu nous. Mais je vous dis, en façon spéciale, il y a une double occasion qui rassemble nous. C'est 95 ans d'existence de la Sainte Famille sur la terre d'Haïti, mais spécialement sous bout de terre Saint-Gérard. Bon Dieu, dans grand miséricorde, dans quelle sensibilité, de permettre à un groupe laïque mettre ensemble sous baguette l'amour, l'esprit, en tant que servir avec Canal, Père Ernest Maniz, fondateur monastère Saint-Gérard, pour fonder la Sainte Famille. C'est belle bagaille, les frères avec sœurs, capables de mettre ensemble, puis au vivre selon Rémi bon Dieu. Litiger la parole, matin, invitez-nous dans vos bénédictions pour faire loin pour mon Dieu. Il n'a pas besoin de parler, il est content, qui est débordé dans le cœur, baptisé, il a une chance pour le dire une autre fois dans la vie. Et nous-mêmes qui rassemblés, nous venons chercher lumière, parole, qui pour éclairer en dedans le cœur nous, pour nous capables de quitter le fait noir. Dans la vie, nous, comme monde, comme chrétien, il est important pour nous saisir l'opportunité. Nous avons même dit, pour nous faire effort, pour ne pas perdre de chance. Nous. Et d'un coup, Batimé, il saisit l'occasion, passage de Jésus-Christ, sous chemin, pour le crier. Jésus, petit David là, pitié pour moi.
De façon, prier ça afin de comprendre exactement. Bâtiment reconnaître faiblesse li. Li reconnaître limite li. Li connaît si sous bout de ça un monde qui a fait qui choy pour lui. C'est Jésus petit David là. C'est peut-être ça li relé bien fort. Petit David là, pitié pour moi. Parce qu'il connaît Jésus. Pas insensible, pas indifférent devant la souffrance. En réalité, le monde qui est avec Jésus courit des bâtiments. Fais bonjour, à l'école là. Comme si le monde qui est avec Jésus te pensait qu'il y a un monopole. Il y a une clé. Ce n'est pas yo pour nous passer pour venir Jésus. Jésus n'a qu'à sensibilité de quitter. Et tout de suite, il y aurait l'île de venir Jésus. Jésus m'a dit, ou même qu'après l'île, qui sont au besoin, qui sont voulu faire pour vous. Parmi tout ça qui existait, avant d'être capable de demander, il dit, moi je veux ouais. On suit ensemble un extrait fait patronal Saint-Jude dans la paroisse Saint-Jude dans Mayotte et Saint-Jude Delma 31. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il donna la coupe à ses disciples. Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée. Saint Jude, aidez-nous joindre secours dans mes grands maîtres. Saint Jude, aidez-nous joindre secours dans mes grands maîtres. Encore, Saint Jude, aidez-nous joindre secours dans mes grands maîtres. Monseigneur Francky Désir, vicaire épiscopal et président de cette magnifique assemblée que toutes et tous
nous formons ce matin, Révérend Père Yves André Saint-Félix, CICM, curé de la paroisse Saint-Jude et Saint-Simon, Révérend Père Gary Bastien, ancien curé de cette paroisse, Révérend Père Douze Wilfort, supérieur des clercs de Saint-Viateur en Haïti, Révérend Père Jean Hansen, responsable des SCUT en Haïti, très chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chères religieuses, chers religieux, autorités civiles, politiques et policières, en vos rangs, titres et qualités, pèlerins et pèlerines qui sautent tout partout pour venir dans pied Saint-Jude et Saint-Simon pour nous demander d'aider nous joindre secours dans mes grands maîtres là. Chères paroissiennes et paroissiens qui nous accueillent si chaleureusement et si fièrement dans cette extraordinaire église. Sœurs et frères, mesdames, messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite un peu moins, télévisée et en ligne, chers internautes qui nous suivent, peuple de Dieu. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné à l'air pour toute information qui concernait l'église là sous plan international. Merci d'être toujours là pour toute information qui concernait l'église là sous plan international. Président de la prière mariale de l'Angélus, l'évêque de Rome s'est appuyé sur l'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, Marc 10, versets 46 à 52, qui nous raconte comment Jésus a guéri un homme de la cécité. Il s'agit d'un pauvre mendiant Bartimée que la foule ignore dans la rue, car ces gens n'ont pas Dieu pour cet aveugle, aucun regard, aucun sentiment de compassion. A fait remarquer le pape François, Bartimée non plus ne voit pas, a-t-il ajouté, mais il entend et entendu. Il crie, crie fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Décrivant cette scène, le pape s'est arrêté sur la réaction de Jésus diverse de ses autres, qui se met à la disposition de Bartimée et lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette question devant un aveugle semble être une provocation, a-t-il souligné, mais plutôt un test. Jésus lui demande en effet qui il cherche vraiment et pour quelle raison. « Qui est pour toi le fils de David ?» C'est ainsi que le Seigneur commence à ouvrir les yeux de l'aveugle, a expliqué le pape François, invitant les milliers de fidèles et pèlerins rassemblés sur la place de Saint-Pierre à considérer trois aspects de cette rencontre, qui devient un dialogue, le cri, la foi et le chemin. Tout d'abord, le Saint-Père a fait mention du cri de Bartimée, qui n'est pas seulement un appel à l'aide, mais surtout une affirmation de soi. L'aveugle dit « J'existe, regarde-moi, je ne vois rien Jésus, me vois-tu ?» Ou il entend avec les oreilles du corps et celles du cœur. Cette affirmation, a-t-il poursuivi, mène au deuxième point, la foi. « Va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus. » Bartimée voit parce qu'il croit, le Christ est la lumière de ses yeux. Le pape François a ainsi expliqué que le Seigneur observe comment Bartimée le perçoit, dans l'obscurité de sa vie, pauvre et aveugle. L'évangile nous dit qu'il laisse son manteau, le dernier bien qu'il possédait pour aller vers Jésus, a-t-il ajouté, précisant que cette confiance qui sauve l'aveugle, parce qu'elle est une relation d'espérance avec le Christ, la lumière du monde. Nous sommes des mendiants du salut. Enfin, le dernier aspect de cette rencontre est le chemin. Bartimée guéri suivait Jésus sur le chemin, a repris le Saint-Père, soulignant que le Seigneur lui ouvre le chemin et assure son pays. Ainsi, il renchérit l'homme qui demande la miséricorde, reçoit une grâce surabondante. L'aveugle retrouve non seulement la vue, mais aussi le sens de la vie en suivant Jésus. Au nom de Bartimée, l'évêque de Rome a invité les fidèles à situer le leur, car nous sommes des mendiants du salut. Le salut de la douleur, du péché,
de la guerre, de la mort. Éclairés par notre rencontre avec Jésus, le pape François les a également invités à se demander « Est-ce que je vois mon frère qui mendie sur le chemin ? Est-ce que je reconnais que je suis moi-même un mendiant devant le Seigneur ? Est-ce que je cherche avec confiance la miséricorde de Dieu qui a toujours pitié de moi ?» Il a conclu son exhortation en demandant aux fidèles et aux pèlerins rassemblés sur la place de Saint-Pierre de prier ensemble Marie, aurore du salut, pour qu'elle garde notre chemin dans la lumière du Christ. Devant près de 5000 fidèles rassemblés dans la basilique de Saint-Pierre, le pape François a présidé la messe ce dimanche 27 octobre qui marquait la clôture de près de mois de synode au Vatican. Car le cardinal Mario Crèche, secrétaire général de cette assemblée qui a célébré la liturgie eucharistique sous le baldaquin au Bénin fraîchement restauré. Dans son homélie, le pape est revenu sur l'évangile de Marc qui relate l'épisode où l'aveugle Bartimée retrouve la vue avoir crié vers Jésus. Dieu entend toujours le cri des pauvres et n'ignore aucun de ses souffrances, a-t-il rappelé. Le pape François a invité à regarder Bartimée pour en tirer des enseignements. La première chose que l'évangile nous a dit à propos de Bartimée est qu'il est assis en train de mendier. Une position typique d'une personne enfermée dans son chagrin, a noté le pape François. Mais vivre signifie toujours se mettre en mouvement, se mettre en route, rêver, faire des projets, s'ouvrir à l'avenir. Ainsi, Bartimée représentait aussi cette cécité intérieure qui nous bloque, nous fait rester assis, nous rend immobiles sur les bords de la vie sans espérance. La vie de Bartimée nous fait réfléchir à notre vie personnelle, mais aussi à notre manière de vivre comme Église, a poursuivi le pape François. Beaucoup de choses sur le chemin peuvent nous rendre aveugles, incapables de reconnaître la présence du Seigneur, nous préparer à affronter les défis dans la réalité. Parfois, incapables de savoir comment répondre aux nombreuses questions qui nous interpellent, comme Bartimée l'a fait avec Jésus. La synodalité, une conversion pour être plus missionnaire, une Église qui ne peut rester aveugle face aux défis. Tout ceci est un enseignement pour l'Église, alors que le clos des 3 années de travaux synodaux est amené à se projeter avec dynamisme pour sa mission. Face aux questions des femmes et des hommes d'aujourd'hui, aux défis de notre temps, aux urgences de l'évangélisation et aux nombreuses blessures qui affligent l'humanité, nous ne pouvons pas rester assis, a ainsi mis en garde le souverain pontife. Au contraire, une Église assise qui, presque sans s'en rendre compte, se retire de la vie et se cantonne aux marges de la réalité, est une Église qui risque de rester dans l'aveuglement et de s'installer dans son propre mal, a-t-il expliqué. Le Seigneur soigne toujours notre nécessité, a poursuivi le pape François, se réjouissant que le synode nous apporte à être une Église à l'image de Bartimée, communauté de disciples qui, en entendant le Seigneur, passent, ressentent le frisson du salut, se laissant réveiller par la force de l'Évangile et commencent à crier vers lui, accueillir le cri du monde. L'Église est ainsi celle qui peut accueillir le cri de tous les hommes et toutes les femmes de la terre, ceux qui souhaitent découvrir la joie de l'Évangile et de ceux qui sont sans éloignés, le cri silencieux de ceux qui sont indifférents, le cri de ceux qui souffrent, des pauvres et des marginaux, la voix brisée de ceux qui n'ont même plus la force de crier vers Dieu, soit parce qu'ils n'ont pas de voix, soit parce qu'ils sont résignés. Et le pape François de lancer à cette exhortation, nous n'avons pas besoin d'une Église qui s'assoit et abandonne, mais d'une Église qui peut accueillir le cri du monde et se salit les mains pour le servir. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais m'arrêter sur la place de l'Esprit-Saint dans le sacrement du mariage à partir de Saint-Augustin. Celui-ci explique que l'amour suppose quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui est aimé et l'amour lui-même qui les unit. Au sein de la Trinité, le Père est celui qui aime. Le Fils est celui aimé et l'Esprit-Saint est l'amour qui les unit. Ainsi, en est-il dans le mariage qui manifeste la communion d'amour de la Trinité? Alors, invoquez l'Esprit d'amour, source d'unité, pour soutenir le don des époux dans le sacrement et renouveler la joie d'être ensemble apparaît indispensable. Il serait bon d'y insister dans la préparation du mariage. Hier, dans la liturgie, nous avons pensé à Jean-Paul II. C'est lui, comme il l'a dit pendant sa canonisation, le pape des familles. Il pensait toujours à vous, les Polonais, et il disait que la famille devait venir de Dieu.
que le Saint-Esprit aide toutes les familles pour qu'elles puissent vivre leur capacité de faire le don de soi. Restez ensemble. Je vous bénis tous de tout mon cœur. Merci à tout le monde qui t'a pris plaisir de suivre le journal Pied Poudré pour cette semaine. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie et Bleu Production. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre journal Pied Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour la programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 du matin et puis 7h à soir. À Pied Poudré, on fait route là.